J'ai mal à ma France. Voilà comment Kylian Mbappé a réagi à la mort de Naël. Comme lui, plusieurs personnalités ont pris la parole après le décès de ce jeune de 17 ans, abattu par un policier à Nanterre. Parmi elles, des personnes qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer sur ce genre d'événement, c'est par exemple le cas de plusieurs footballeurs de l'équipe de France. Kylian Mbappé dénonce dans son tweet « Une situation inacceptable ». Jules Koundé s'indigne, lui, de la façon dont la télé traite le sujet. Des journalistes qui posent des questions dans le seul but de déformer la vérité, de criminaliser la victime et de trouver des circonstances atténuantes là où il n'y en a aucune. Mike Maignan déplore le fait que « C'est toujours pour les mêmes qu'être en tort conduit à la mort ». Le monde du rap a aussi exprimé sa colère. Niska estime que sans la vidéo, les policiers auraient été considérés comme les victimes de l'histoire. PLK, lui, affirme que « La police tue ». Et Sadek a annoncé faire don de l'intégralité des revenus de son prochain concert, soit 9000 euros, à la famille de Naël. Enfin, l'acteur Omar Sy a partagé une photo de l'adolescent en demandant « Qu'une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant ».